par la sécheresse. Est né dans un coin de paradis, abondant par ses richesses. Il vit dans la terreur de cette région qu'on appelle Darfour. Il profite de sa journée en faisant un petit tour dans Carrefour. Vu ses rêves de gosse, enchaîné par quatre verrous, ne sait se courir même si des fois il ne sait pas vers où. Il a appris à lire et écrire dans une vieille bâtisse qui sert d'école. Passe son temps à sécher les cours et à se faire ramasser l'école. Il rêve de voyager pour sortir au moins une fois de son Afrique. Son seul but est transformer son portefeuille en une montagne Afrique. Il travaille 15 heures par jour pour gagner 2 euros. À la mi-journée, son chèque est déjà crédité. À la fin, part de zéro. Sous l'emprise des rebelles, son opinion lui a été volée. Se demande s'il aura le courage de se lever pour aller voter. Son confort se résume en un puits, un bateau et une hutte en paille. Se prend la tête, sa piscine elle est cassée, il va falloir qu'il paye. J'ai plein d'amis, il a galéré toute sa vie pour voir au final sa famille violée, torturée et tuée. Alors si t'as la chance d'être l'autre, médite sur ce que tu as, d'où tu viens et qui tu es.